On va débuter. Bonjour à tous. Je m'appelle Stéphanie Gaudreau. Je suis conseillère en communication au service des communications de la Ville de Québec. Je vous souhaite la bienvenue à cet état de situation du 3 avril sur la COVID-19. Monsieur le maire de Québec, Régis Labon, m'adressera quelques mots. Monsieur le maire, la parole est à vous. Merci, ma chère. Alors, écoutez, on a passé la semaine à travailler sur un programme d'aide aux petites entreprises de Québec. Et on avait des discussions, évidemment, avec le gouvernement sur le programme qui est annoncé aujourd'hui. Alors, écoutez, on est très heureux de ce qui est annoncé. Le fédéral a annoncé 10 milliards de prêts à coût de 40 000 $ du prêt. Le gouvernement du Québec de 2,5 milliards à coût de 50 000 $ du prêt. Et la Caisse de dépôt, 4 milliards. Maintenant, les petites entreprises et les commerces et les restaurants, entre autres, généralement, ou plusieurs d'entre elles ne se qualifiaient pas pour ces prêts-là. Et donc, ce qu'a annoncé le gouvernement, ça répond à cette catégorie-là de commerce ou d'entreprises qui sont plus petites, moins d'encadrement avec les banques, mais qui doivent survivre et progresser. On a eu des discussions avec le gouvernement dans les derniers jours et ce qu'on a pris aussi, c'est qu'ils ont décidé de décentraliser l'administration du programme, c'est-à-dire que la Ville de Québec va gérer, elle, 10 millions, Montréal, 40 millions et les MRC vont gérer le reste. C'est peut-être la meilleure décision qu'ils ont prise, à part le montant, parce que si on veut que ça soit rapide, c'est la meilleure façon de procéder. Le 10 millions qui nous est accordé, normalement, devrait nous être envoyé dans les prochains jours. Alors, nous, ce qu'il faut faire, c'est signer rapidement une entente avec le gouvernement, mais on est prêt. Hein? Il faudra le voter au conseil. C'est pas plus compliqué, on fera un conseil spécial pour le voter. Ce qu'il faut maintenant, c'est savoir connaître les critères gouvernementaux. Alors, on en a pour, je ne sais pas, une semaine, un jour, avant que tout le monde s'entende sur les critères. Vous avez dans les communications qui ont été faites par le gouvernement les critères généraux, mais il y a des discussions qui se poursuivent avec les villes, nous autres, les MRC, pour faire en sorte que, quant à nous, parce que nous, on avait un programme de prêt, puis un procédé de prêt, parce que le succès dans ce genre de programme-là, c'est qu'il y ait de l'agilité et de la rapidité, c'est-à-dire qu'il y ait le moins de bureaucratie possible, et qu'on puisse aider les petites entreprises le plus rapidement possible. Alors, il faut que les règles d'attribution soient gérables avec, oui, avec rigueur, évidemment, mais quand même, il faut qu'on dégaisine, comme on dit. Alors, je remercie le gouvernement parce que le gouvernement est sensible. Le gouvernement a attendu. Là, on n'était pas les seuls à penser qu'il fallait que ça se fasse. Puis, souvenez-vous ce que j'ai dit il y a quelques jours. L'aide aux entreprises, ça doit venir des gouvernements. Ce n'est pas le travail de la ville. Alors, la ville peut le gérer. On pense toujours, nous autres, que c'est la meilleure chose à faire, c'est que nous, on le gère. Mais c'est le travail des gouvernements et aujourd'hui, on donne réponse à ça. Alors, on veut remercier le gouvernement Legault, sincèrement, M. Fitzgibbon, entre autres, que je connais, qui a fait un excellent travail avec tout le Conseil des ministres. Ceci dit, nous, tant qu'à nous, on veut que l'application, je répète, soit agile, véloce, rapide. Mais on n'a pas les réponses. Si c'était comme on veut, aujourd'hui, on est capable de répondre demain matin, mais là, on ne peut pas répondre demain matin parce qu'il faut attendre le gouvernement. Je veux dire à tout le monde, parce que là, on s'attend à des centaines et des centaines d'appels, n'appelez pas lundi matin, ça ne donne rien. Parce qu'on ne pourra pas vous donner toutes les informations. On doit recevoir le résultat de nos discussions avec le gouvernement pour possible, au-delà de ce qui a été précisé dans les communications générales qui ont été émises ce matin, comment on peut gérer, puis qui a droit, puis dans quelle mesure, puis dans quel encadrement. Alors, je dis aux entreprises, au commerce, n'appelez pas, attendez un petit peu, on va vous donner le signal à un moment donné. Et le signal, ce sera au moment où on va tracer au conseil. Puis le conseil, c'est pas bien compliqué. Quand il restera juste... À faire ça, là, on va appeler un conseil rapidement, un conseil spécial, puis s'il faut, on va voter la nuit, j'exagère. Mais n'appelez pas pour rien. Attendez-nous un peu parce que vous allez appeler pour rien, parce que je sais qu'il y a des gens
Il y a des commerces en détresse, là. Il y a des gens qui vivent beaucoup d'anxiété dans les entrepreneurs. Nous, on va faire le maximum, mais c'est de l'argent qui nous est prêté en passant. C'est un prêt qu'ils font la Ville de Québec. Et nous allons tenter de définir, enfin, on va tenter d'avoir des réponses au gouvernement le plus rapidement possible. Alors, aussitôt qu'on sait qu'on est capable de vous donner les bonnes réponses, parce qu'on ne veut pas que vous appeliez et qu'on n'ait pas les réponses, vous allez être frustrés, puis nous autres aussi. Alors, attendez-nous, on va vous donner un signal de départ, on va vous donner l'encadrement, et vous aurez vous saurez un peu plus si vous cadrez dans les critères qui sont permis. Et à ce moment-là, on vous dira quand est-ce appelé, parce qu'il y a des gens qui vont être au bout du téléphone. Mais évidemment, on va se donner une force de réponse plus large. On a déjà des entretiens avec la Chambre de commerce, la Jeune Chambre de commerce, Québec international. Et s'il le faut, tous ces gens-là vont se mettre ensemble pour répondre aux entreprises, pour qu'on puisse faire une analyse rapide des dossiers et pouvoir répondre rapidement. Et aussi à la Ville, nous autres, on va prendre d'autres personnes qui vont s'ajouter au service de développement économique. Alors, on va faire en sorte que l'organisation de ça se fasse rapidement, qu'il y ait un numéro idéalement, puis qu'on puisse, tout le monde puisse avoir une réponse rapidement. Alors, on souhaite que les critères qu'on s'est donnés, nous autres, et d'agilité, soient acceptés, mais bon, jusqu'à date, le gouvernement, je ne peux pas me plaindre, là. Ils ont répondu à la demande. Ils font exactement ce qu'on souhaitait pour être heureux, puisque bien d'autres mondes souhaitaient. Alors, laissez-nous revenir. Là, lundi, moi, je vais revenir publiquement, parce que je présume que lundi, d'ici lundi après-midi, on va peut-être avoir plus d'informations. Moi, j'ai d'autres choses à indiquer là-dessus quant à l'aide au commerce et aux entreprises. Et on va tenter lundi d'avoir plus de réponses à vos questions, si tant est que c'est possible. Merci, M. le maire. On va passer d'abord à une période de questions sur le sujet du jour. Attendez que je vous nomme avant d'intervenir et s'il vous plaît, je vous rappelle de fermer vos micros entre vos interventions. Alors, on commence avec Tayem Moala au Journal de Québec. Bonjour. Juste une précision, si je comprends bien, le gouvernement du Québec transfère 10 millions à la ville, puis la ville les transfère. Va utiliser ces sommes pour aider les commerçants et les entreprises, c'est bien ça? En fait, le gouvernement prête 10 millions à la ville qui, elle, le prêtera des entreprises. Alors, le gouvernement exige que ce soit fait sous la forme de prêt. Évidemment, l'entente qu'on aura, c'est s'il y a des mauvaises créances, on n'aura pas à rembourser le gouvernement. Alors, grosso modo, c'est le jeu de base du départ. OK. Et ça, ces prêts-là, donc, sont donnés en forme de prêts aux commerçants, donc des prêts avec intérêt, je présume, ou comment ça va être? Oh, on parle de 3 % d'intérêt. Alors, on doit prêter 3 % d'intérêt. Il y a déjà des modalités, entendu, quant au remboursement. Vous regarderez les communiqués, là. Mais ce sont les premiers critères de base qu'on a, nous, sous la main. OK. Et quand on parle, juste pour être encore plus précis, des commerçants et des entreprises, vous visez particulièrement qui, là, les PME, les restaurants, c'est qui peut avoir accès à ça? Bien, je vous dis, notre travail actuellement, puis lundi, on va revenir là-dessus. Il y a une catégorie qui est jamais, en tout cas, rarement ce qu'on appelle les organisations admissibles, qui sont les services et les restaurants, par exemple. Et là, ce qu'on veut faire, c'est des rangs d'admissibles. Pour ce 10 millions-là, ça va bien, ils sont admissibles. Maintenant, il faut savoir admissible de quelle façon, et c'est la réponse qu'on va tenter d'avoir le plus rapidement possible. Mais normalement, les services ne sont pas admissibles, puis les restaurants ne sont pas admissibles, mais là, les restaurants seront admissibles. OK. Est-ce que ça concerne aussi les SDC ont sorti un communiqué pour demander à être priorisés? Qui ça? Est-ce qu'elles font partie... Les SDC, les sociétés de développement commercial. Oui, mais écoutez, tout le monde va vouloir être priorisé, là, tu sais. Alors, vous allez voir d'autres... Je vous dirais que l'objectif général, je vais le dire comme ça, l'objectif général, c'est qu'on puisse aider ceux qui ont le moins de soutien, c'est-à-dire les entreprises de proximité indépendantes. Ce sont des gens qui sont chez eux, puis effectivement,
beaucoup demandent des SDC qui ne sont pas affiliés à une chaîne nationale ou internationale, qui ne sont pas dans un centre d'achat où le propriétaire peut les soutenir. Alors, on va tenter d'aider ceux qui passent, sont toujours en deux chaises, là, hein, qui passent à travers les mailles du filet, qui, elles, n'ont pas de soutien d'une façon ou d'une autre. Alors, normalement, ce sont les entreprises de proximité indépendantes, généralement. Ça ne veut pas dire qu'on exclut, là, pour l'instant, mais c'est sûr que les organisations, les entreprises qui sont sur les sociétés de développement commercial, c'est le commerce type ou l'entreprise type qu'on va vouloir aider, il n'y a aucun doute. Parfait. Merci, ça répond à mes questions. Merci. On passe à Jean-François Néron au Soleil. Oui, bonjour. Peut-être une question. Est-ce qu'on a la hauteur des prêts qui peut être accordée? La limite est 50 000. La limite est 50 000. Il n'y a pas de limite inférieure. Alors, c'est 50 000 maximum à un taux de 3 %. Il y aura un moratoire de départ de 3 mois sur le capital et les intérêts. Il pourra s'ajouter un moratoire additionnel jusqu'à 12 mois. Et on pourra amortir sur 36 mois des amortissements de 36 mois, puis les amortissements pourront aller jusqu'à 60 mois. Ça, c'est au moment où on se parle. Alors, peut-être que ça peut changer dans les prochains jours, mais en rendant public le programme, ce sont les critères de base financiers qu'ont indiqués les gouvernements. Je sais que vous avez toujours dit que c'est au gouvernement provincial et fédéral d'aider directement les entreprises, mais comme il s'agit ici de prêts et que 10 millions, ça va passer vite parce que le nombre de demandes risque d'être très élevé, est-ce que la Ville pourrait, elle aussi, bonifier ce 10 millions-là pour faire une plus grosse cagnotte et participer justement à la cagnotte pour faire une plus grosse... toujours dans l'optique que ce sont des prêts. Là. Bien là, hier, on avait zéro, là, on a 10 millions aujourd'hui. Hein, c'est quand même pas pire, là. Alors, on a toujours le même principe, chacun son travail. Alors, ça doit être les gouvernements qui aident. Mais lundi, je vous reviendrai avec d'autres choses, OK? Je vais avoir un petit quelque chose de nouveau lundi à vous annoncer. Ça marche? Merci. Merci. On passe à M. Jean Carrier de Métro Média. Oui, au niveau des critères. Bonjour. Comment ça va fonctionner? Qui va choisir pour les critères? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, vous avez dit qu'il y avait qu'il va y avoir des critères pour donner les prêts. Tout d'abord, le gouvernement. Comme c'est de l'argent du gouvernement, le gouvernement va donner les critères, mais actuellement, nous discutons. Comme on a discuté cette semaine avec le gouvernement, on va continuer à discuter. Les discussions sont encore en cours aujourd'hui pour pouvoir définir des critères finaux. Mais je rappelle que nos critères de base, ce qu'on souhaite, c'est beaucoup d'agilité, de la vitesse, le moins de bureaucratie possible, puis que l'aide sorte rapidement. Merci, c'est clarifié. Merci, on passe à Catherine Roy de TVA. Oui, en fait, je vais vous dire, demander de ne pas appeler tout de suite. Ma question était de savoir, est-ce que vous recevez en ce moment beaucoup d'appels là, d'entreprises, de PME qui sont inquiètes? Et si oui, qu'est-ce qu'ils vous disent en ce moment? Est-ce qu'ils annoncent qu'ils vont bientôt fermer, s'ils n'ont pas de subvention. C'est quoi leurs attitudes? Regardez, madame, il y a des gens qui appellent partout, là, mais ils n'ont pas besoin de nous appeler. On a juste à leur parler pour on sait dans quel état ils sont. OK, puis Je voulais savoir aussi, encore une fois, là, de ce que je comprends, c'est un prêt qui va être donné aux entreprises. Est-ce que c'est ce qu'on vous demandait, des prêts, ou ce ne serait pas plutôt une subvention? Parce que je comprends... Ceux que vous nommez, il y en a plusieurs qui tombaient dans la faille ici, les subventions, la subvention du fédéral là, pour salarial. Oui, mais c'est une subvention reliée aux individus, il ne faut pas se tromper. La subvention salariale de 75 % c'est orienté sur les individus. Ça passe par l'entreprise, mais c'est pour l'individu. Alors que toutes les autres aides, le prêt de 40 000, le prêt de 50 000, ce sont des prêts, hein? Aux organisations, aux entreprises, d'ailleurs, qui sont gérées par les banques, qui seront gérées par les banques. Alors, généralement, les gens, le gouvernement donne, il y a des subventions normalement pour les OBNL, on viendra là-dessus, mais c'est normal que ce soit des prêts, là. OK, merci.
C'est de l'argent public, hein? D'accord. Merci. On passe à M. Carl Marchand de Radio-Canada. Bonjour, M. Labeaume. Cette enveloppe-là de 10 millions de dollars dans un premier temps, est-ce que ça vous semble assez pour répondre aux besoins urgents? Oh, ça ne sera jamais assez, là, tu sais, dans une crise comme ça. C'est tellement incroyable que ce serait un bassin sans fond d'argent qui serait disponible. Bon. Alors, je rappelle qu'hier, on avait zéro, puis on a 10 millions aujourd'hui. Alors, on vient de faire un bond de 10 millions de dollars en pas grand temps. Et d'après vous, cette enveloppe-là, bon, évidemment, les besoins sont énormes, mais ça pourrait partir rapidement. Là. Oui, ça va partir rapidement, puis on souhaite que ça parte rapidement. Pour être très honnête avec vous, c'est pour ça qu'on souhaite là, qu'il y ait le moins de bureaucratie possible. On voudrait que ça sorte rapidement. Puis que les... En fond, c'est tout basé sur la question des liquidités. Hein? De quoi ont besoin les petites entreprises, les commerces actuellement? Bon, ils ont un loyer à payer. Ils ont probablement des fournisseurs à payer. Bon, il restait quelques journées à payer aux employés. Alors, ce qu'ils ont besoin actuellement, c'est de liquidités. Alors, que ce soit un prêt ou une subvention, de toute façon, un prêt, ils vont être d'accord, là, parce qu'ils ont besoin de liquidité. Alors, tout ça est basé sur la capacité d'avoir du liquide pour pouvoir continuer à exister. C'est ça qui était nécessaire, puis ça répond à ça. Merci. Merci. On passe à Benjamin Aubert du FM 93. Oui, je sais que la Ville a déjà annoncé un report des dates d'échéance pour le paiement des taxes, mais est-ce que la Ville pourrait envisager une baisse de taxes ou un congé de taxes pour les commerçants afin de leur... Premièrement, de un congé de taxes, c'est illégal. On n'a pas le droit de donner des congés de taxes. C'est illégal. Il faudrait que le gouvernement le décrète. Bon. Deuxième affaire, il faudrait qu'on déclare, même en déclarant un état d'urgence à la Ville de Québec, on ne pourrait pas le faire. Alors, quand quelqu'un vous parle d'un congé de taxe, c'est parce qu'il ne connaît pas ça, c'est illégal. Première affaire. Mais c'est sûr qu'il y a plein de monde qui vont demander. Il y a des lobbies financiers actuellement qui demandent des congés de taxe. Des lobbies qui sont bien plus en forme financièrement que le pauvre citoyen qui est chez eux, là. Alors, moi, les lobbies financiers ou corporatifs qui veulent des congés de taxe, on n'est pas là. Puis d'ailleurs, le débat, c'est congé de taxe. C'est pour ça qu'on a renvoyé le paiement de taxe en août. Parce que là, ça ne donne rien d'en parler maintenant. On ne sait pas comment on sera rendu dans 2, 4, 6, 2, 3, 4 mois. Personne ne sait dans quel état on va être à ce moment-là. Alors, on n'est pas fou, on n'égorgera pas le monde actuellement. Même qu'à la limite, parler de congé de taxe, ça me semble totalement irresponsable. Là. C'est sûr que les lobbies... Puis ceux qui font du lobby actuellement sont les plus friqués, là, ceux qui ont plus d'argent dans leur poche. Mais on est au stade où le premier ministre et le docteur Arruda travaillent pour sauver des vies. Là. Alors, quand je vois les lobbies financiers qui veulent baisser leurs taxes, puis je vois le premier ministre et le docteur Arruda qui essayent de sauver des vies, je vais vous dire, si vous voulez que je prenne un parti, c'est assez facile à décider. Alors, ce n'est pas le temps de parler de congé de taxes, c'est de parler de santé, sauver des vies, puis faire en sorte que la courbe s'aplatisse. Alors, ceux qui parlent de congés de taxes, surtout les politiciens, sont totalement irresponsables. Parlant de sauver des vies, on a vu dans certaines régions des administrations municipales qui ont demandé à ce qu'on ferme la région. Est-ce que vous avez l'intention de demander ça au gouvernement ou à la santé publique de fermer la Ville de Québec? Non, ce n'est pas dans nos intentions. De toute façon, si... Écoutez, moi, de toute façon, les statistiques le démontrent. Puis moi, ce que j'observe, c'est que les gens de Québec et de la capitale nationale, région, sont très disciplinés. Quand vous évaluez le nombre de cas d'hospitalisation puis de décès par 100 000 de population, qui est la mesure internationale ou par million de population, Québec est la sixième ou septième là, dans la province. Alors, les gens de Québec sont très disciplinés. On n'est vraiment pas dans cette dynamique-là actuellement. Et de toute façon, en passant, si le gouvernement pensait que c'était nécessaire, il le ferait. Merci. Merci. On va faire un deuxième tour sur le sujet du jour. Ensuite, on procédera aux autres questions.
Alors, Taïeb Moala, du Journal de Québec. Oui, sur un autre sujet, vous avez vu, M. le maire, hier, l'UMQ, qui évoque l'après-crise. On ne sait pas quand ça va se terminer, évidemment, mais qui dit que ça va prendre un boost pour tous les projets qui sont dans le PQI du gouvernement. Parmi ces projets, il y aura évidemment le réseau structurant de transport en commun. Donc, comment vous voyez les choses? Est-ce que paradoxalement, cette terrible crise peut conduire à la fin à ce que ce projet-là se réalise plus rapidement que prévu? Bah, plus rapidement, il y a des étapes qu'on ne peut pas sauter, mais il est sûr que ce projet-là, actuellement, va devenir le projet d'investissement des 2-3 prochaines années à Québec, là. Parce que moi, ce que j'anticipe, c'est un énorme ralentissement de l'investissement privé, parce que les investisseurs privés ont perdu de l'argent à la bourse, entre autres choses. Et là, ils vont vouloir regarder, faire du ce qu'on appelle du « wait and see », voir comment vont les choses. Alors, et le gouvernement, le premier ministre Legault l'a dit, il faut suppléer l'absence d'investissement privé par du public. Alors, quand vous avez la chance, dans une ville comme la nôtre, d'avoir 3 milliards à la clé qui est déjà voté, je peux-tu vous dire que maintenant, c'est une énorme chance. Et ça va être un projet qui va être le projet qui va participer à la reprise économique à Québec dans les 2, 3, 4 prochaines années, parce que ça ne repartira pas demain matin. C'est ça, la vérité, là. Je peux vous dire que les demandes de permis à Québec, ça a pas mal baissé. OK. Mais si ça devient le projet au cours des 2, 3 prochaines années où il y aura le plus de dépenses, on peut... D'investissement, monsieur. Ça accélère l'échéancier. Ben, accélérer l'échéancier, on est en train de tout travailler là-dessus. On questionne l'échéancier, on continue à travailler très fort. Nous autres, on a même eu hier 3-4 heures de réunion sur tout ça. Et moi, j'ai des discussions avec le gouvernement là-dessus. Alors, il est évident que plus vite on pourra investir, mieux ça sera, parce que c'est ce que le gouvernement du Québec veut, c'est ce que le premier ministre veut. Alors, moi, j'ai parlé au premier ministre, moi, la semaine passée. J'ai eu une discussion avec le premier ministre, puis je parle d'une couple de ministres, comme au fédéral, la même affaire. Alors, ce que tout le monde a comme diagnostic, c'est qu'il faudra suppléer l'investissement privé par du public. Alors, un projet qui est engagé comme le nôtre, à part le REM à Montréal, il n'y en a pas. Vous savez, le premier ministre voulait avoir d'autres projets de tramway, puis on était très heureux de ça. C'est juste qu'on est celui qui est le plus avancé, puis qui va être prêt à commencer tantôt. Alors, ça va être difficile pour les autres. C'est ça, parce que... Pardon? Donc, justement, on sait que c'est un projet... Bon, la construction n'a pas encore commencé. Elle était prévue pour 2021, quelque part à l'automne 2021. Mais est-ce que pour les autres étapes, là, est-ce que ça peut ralentir plutôt là, pour les appels de promotion, les choix de consortium et tout ça? Ben, je vous dirais que... Puis c'est des discussions que je vais avoir la semaine prochaine, la semaine qui s'en vient. C'est, toute la question de la... Les différentes autorisations, il y a un paquet d'étapes bureaucratiques à franchir. J'ai compris du gouvernement qu'il voulait absolument être le plus, tout en étant rigoureux, faire ça avec le plus de célérité possible, parce que j'ai compris du premier ministre qu'il veut qu'il s'investisse de l'argent sur le territoire puis sur le terrain, puis il faut que ça paraisse aussi. Parce que, vous savez, on va aider les commerces là, avec ce programme-là, mais ça ne remplace pas les consommateurs. Puis un consommateur, ça consomme dans un restaurant, par exemple, quand ça a une paye. Puis quand il y a une paye, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'embauche. En même temps, Québec, je vais vous dire qu'il y a quand même beaucoup de monde qui travaille encore, parce que vous avez la fonction publique ici, là, tout le secteur de la santé puis d'éducation. Mais tout ce qu'on va pouvoir faire pour s'assurer que le projet de tramway passe les étapes le plus facile, comment dire, le plus rapidement possible, on va le faire. Mais il y a un calendrier qui, là, on est en appel de qualification, on va s'en aller en appel de proposition, et il y a aussi un cheminement légal là-dedans, là, qu'on doit respecter. Mais on a des discussions avec le gouvernement. Dites-vous bien qu'on se parle, là. OK. Merci. Merci. On passe à Jean-François Néron au soleil. Ça va, merci. Bon week-end. Bon week-end. Êtes-vous sorti cette semaine, M. Néron?
On a vu votre collègue, nous autres, ici, à Sunset, les derniers jours. Merci. On passe à M. Jean Carrier, Métro Média. Pas de question. Madame Catherine Roy, à TVA. Ça va aussi, merci. Monsieur Carl Marchand, à Radio-Canada. Monsieur Labeaume, est-ce qu'on envisage d'autres mesures, là? On voyait des attroupements dans des parcs à Montréal. Est-ce qu'on a un problème de ce genre-là à Québec? Puis est-ce qu'on voudrait... Excusez, vous voyez quoi? Qu'est-ce que vous dites? Vous voyez quoi? Dans les parcs à Montréal, il y a eu des attroupements. Est-ce qu'on pense... est-ce qu'on a des problèmes de ce genre-là à Québec? Non, vous avez le chef de police qui a répondu à toutes vos questions tantôt. Alors, ça va bien, mais je vous dirais que le service de police de la Ville de Québec fait un travail extraordinaire. Ils sont aux aguets. Puis on les voit beaucoup, parce qu'évidemment, il n'y a personne dans les rues, mais on voit beaucoup les voitures partout. Hein. C'est ça, au chef, j'ai l'impression qu'on faisait l'objet d'une filature, mais c'est pas vrai. Tellement qu'on les remarque. Et c'est ce que les gens veulent. Ils veulent sentir leur présence. Les commerces veulent sentir leur présence, parce que les commerces... Ils sont fermés, hein, puis bon. Alors, ils veulent que sentir la présence policière et ça donne un sentiment de sécurité. Alors, au moment où on se parle, tout va bien. Bien, tout va bien. C'est bien fait, on va le dire comme ça, parce que tout va bien cette semaine. Puis, une dernière, est-ce que vous avez de l'information? Comment ça se passe pour les personnes en situation d'itinérance? Est-ce que ce que vous recevez comme un écho, c'est que les choses qui se mettent en place suffisent à la demande? Est-ce qu'on a des problèmes? Il manquait un segment dans tout le service. C'était... Comment faire en sorte que les personnes itinérantes qui ont des symptômes ou qui pourraient être diagnostiquées puissent être suivies médicalement et dans un lieu spécial? Et l'entente, et on a travaillé avec le CIUS là-dessus dans les derniers jours. Vous ne voyez pas, mais on travaille en arrière. Et donc, c'est une cinquantaine d'itinérants au moins pourront, de cette catégorie-là, là, qui ont des symptômes, pourront être installés, s'installer... à l'armée du salut, en face de l'Hôtel Dieu, ils pourront être traités là. Alors, au moment où on se parle, l'offre est satisfait la demande, mais Mme Chantal Giguère, ici, qui dirige la cellule de crise, a une cellule seulement pour le communautaire avec le CIUS, et on est au courant de tout ce qui se passe sur le territoire. On suit ça de jour en jour. Et actuellement, pour les itinérants, ça marche. Bon, on y va, je ne peux pas vous dire je peux pas vous garantir pour la semaine prochaine, mais actuellement, ça marche. Puis ce qui me manquait, c'était ce lieu-là, parce que ceux qui étaient à l'armée du salut s'en vont à l'édifice de la mère Mallet, qui est une rue, quelques rues à l'ouest de là, derrière Bell Canada, ici, au Corée-du-Ville. Ça, on travaillait ce dossier-là depuis plusieurs semaines. Alors, on a poussé un peu plus avec le CIUS, puis c'est bien arrivé, là. Alors, les itinérants à Québec, on s'en occupe depuis plusieurs semaines. Depuis le début, là-dedans, là, ça fait partie de nos grosses préoccupations. Puis, si vous en entendez pas beaucoup parler, c'est une bonne nouvelle. Je voyais à Montréal, on entendait beaucoup parler, là, mais ici, c'est sous contrôle. Merci. Merci. On passe à Benjamin Aubert au FM 93. C'est beau pour moi. On va terminer avec une question en anglais, Monsieur le maire. Yeah. Par M. Josh Grant à CBC. Bonjour, M. Labeaume. I just wanted to ask for a bit of explanation in English. How much money is coming to Quebec City for small businesses and how are you going to be spending that money amongst the people that need it? Well, you know, the announcement that... of this morning was that they're borrowing 10 million bucks to the city of Quebec, and that money will be borrowed to the small businesses, that the kind of business that are not usually included in that kind of grant program. So just for example, restaurant will be involved in that and some very small organizations. So. In the last days, we just worked on a way to distribute the money because we knew that this program was coming. Now we have discussion with the Quebec government just to understand how they feel, how they want to, what kind of criterias
they would like to apply for this program. So we have those discussions, and I guess that in a few days we might be able to start the program. This is why I'm saying to the people, don't call us yet. We'll tell you when we'll be ready to for the operation of that. So, but we have to wait for the kind of criteria that would be applied, and it has to be decided by the Quebec government. But the good news is, you know, it's going to be, they transfer the money to the city, so we're close to the people, so it should be much faster. And there's going to be a 3% interest rate on that, but you said it would maybe be possible for people to extend the deadline to pay? Well, you know, it's based on the interest rate of 3%, okay? And you have a free ride for 3 months, and could be you could add 12 months to that. Might be okay. I think we're gonna try to help and be very reasonable on the application of the program. So we'll do our best to convince the government that they have to be let's say fast. And I mean, I hope they're going to be the less bureaucracy as possible. So this is the trigger, I guess. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne fin de semaine. Merci tout le monde.